prêcher. Before preaching. Pour que nos amis qui n'ont pas encore cru acceptent Jésus. So that our friends who have not believed accept Jesus. Qu'ils soient lavés. That they should be washed. Qu'ils soient sanctifiés. That they should be sanctified. Afin que quand ils vont ouvrir la bouche. So that when they will open the mouth. Que Dieu entende leur voix. God hear their voice. Qu'ils deviennent des enfants de Dieu. And they become children of God. Tu seras un enfant de Dieu. You will become a child of God. Même si tu as déjà essayé plusieurs fois, even, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, ça va marcher. Even if you have tried many times, it did not work, but this time it will work. Cette fois-ci, this time, Jésus va te délivrer. Jesus is going to deliver you. Si tu dis un cadavre, if you tell a corpse de ne pas se décomposer, not to be rotten, est-ce qu'il va obéir? Will he obey? Tu étais un cadavre. You are a corpse. Quand tu ne voles pas, ne mens pas. When they say don't steal, don't lie. Ne te prostitue pas. Don't prostitute yourself. Tu as essayé, tu n'as pas pu. You tried, you could not. Jésus va entrer en toi. Jesus will enter you. Tu vas recevoir la vie. You will receive life. Après, on te dira ne mens pas. And after that, I will tell you don't lie. Et tu ne vas pas mentir. And you won't lie. Parce que Jésus habite en toi. Because Jesus is in you. Et Jésus and est Jesus la vie. Is life. Dis amen. Say amen. Dis je proclame que Jésus est la vie. Say I proclaim that Jesus is life. Tu dis à une prostituée, ne te prostitue pas. Elle va commencer par où? You tell a prostitute, don't prostitute yourself. Where will she start? Mais si Jésus entre en but elle, if Jesus enters her, et tu lui dis, and you tell him, ne te prostitue pas. Don't prostitute yourself. Il te dira, she will tell you, moi-même, ma tête n'est pas dedans. Even myself, my head is not in this. Mon corps n'est pas dedans. My body is not in ma this. Tête n'est pas dedans. My head is not in it. On appelle ça la délivrance. This is called deliverance. La délivrance. Deliverance. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un sans le délivrer. God cannot save someone without delivering him. Tu seras délivré. You will be delivered. Pour ceux qui sont là pour la première fois, for those who are here for the first time, il y a eu beaucoup de miracles ici. They have had lot of miracles here. Il y a eu des délivrances. There have been deliverances. Glorieuses. Glorious ones. Des délivrances qui révèlent la puissance de Jésus-Christ. Deliverances which reveal the power of Jesus Christ. Qui encourage l'Église. Which encourage the church. Qui fraye le chemin. And open the way. Aux païens. To pagans. Pour qu'ils viennent découvrir ce Jésus-là. So that they come and discover this Jesus. Donnez-lui le micro qui rend son témoignage. Comment give il a été délivré. Microphone so that he may give his testimony. Après cela, has been delivered. Nous allons continuer. After that, we'll go on. Alléluia. Praise the Lord. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Je suis venu ce soir. I came this evening. Pour témoigner. To testify. Que Dieu est ici. That God is here. Je traînais des problèmes. I had troubles. I was in trouble. Depuis des années. For years. Et je n'ai jamais cru que un jour j'allais avoir la paix du cœur. I've never believed that I would have the peace of heart one day. La dernière fois, ma première fois de venir ici. The other day, that was my first time to come here. Non, 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 laissez-lui rendre le témoignage. C'est la caméra qui doit chercher les gens. Maman Gorène, que Dieu vous bénisse. Parce que le Seigneur est passé par une maman, Maman Gorène, vraiment pour me délivrer aussi.
The Lord used the mother, un jour, Linda Borel, to deliver me also. Un vendredi, j'avais pris rendez-vous avec un marabout qui était au Libéria. I had an appointment with a je suis allé. I had an appointment with a witch doctor one day in Nigeria. In Liberia, sorry, Liberia. J'ai eu un marché. And I had a market. Un gros marché. A big market. J'ai appelé un ami. I called a friend. Parce que j'avais des difficultés pour pouvoir exécuter le marché. Because it was very difficult for me to execute the market. Donc quand je lui ai expliqué, j'avais un souci d'argent. So when I shared it with him, I had a money concern. Il m'a dit pour venir, il y a un monsieur, un vrai marabout qui est quitté au Libéria, qui est là actuellement. Viens. He told me, come here, because there is a great witch doctor who is coming from Liberia. He's here currently. Come. Donc, je suis allé les croiser. So I went to meet them. Il m'a demandé de l'argent. He asked me for money. Je n'avais pas l'argent. J'ai appelé des amis. J'ai collecté. J'ai pris crédit. I didn't have money, but I got some credit from some friends. J'ai remis au féticheur un vendredi. And I gave it to the fetish man on a Friday. Je suis rentré chez moi. Il m'a dit samedi matin à partir de 10h, il faut être là. Je vais faire ton travail. Ça va marcher. Tu vas avoir l'argent. So I went back home and he told me that on Sunday morning from 10 you should be here. I'm going to do your work and you have money. Le même vendredi nuit, the same Friday in the night, je n'ai pas dormi. I didn't sleep. Il y a une voix qui me disait vers 1h du matin. A voice told me around 1 a.m. Lève-toi et prie. Stand up and pray. J'ai regardé dans les placards. I looked in the cupboard. J'ai pris ma bouteille de liqueur. I took my bottle of liquor. J'ai bu toute la nuit. I drank all night long. Matin, j'étais pressé, je me suis lavé, je partais à mon rendez-vous croiser le marabout. In the morning time, I was in haste. I washed myself and I went to meet the dans la cité, the witch doctor in the residence. Il y a une voix encore qui me disait prie. A voice was telling me again, pray. Bon, j'ai remarqué qu'au quartier, il y a une villa là-bas chez maman Gorène. Les gens prient souvent les dimanches. So I've noticed that in the neighborhood there is a villa, a house there. On Sundays, people gather to pray there. And that house is Mam Borel's house. Mama Gorène, go and stand fictif on his side so that de la fiction. People may know that it's not fiction. Voilà celle qu'on appelle Mama Gorène. This is the one called Mami Gorène. Continue. La maman, je ne la connaissais pas auparavant. I did not know, donc, je l'ai croisée le jour-là quand je partais à mon rendez-vous le samedi. So that day when I was going to my appointment on Saturday, j'ai croisé la maman. I met her. J'ai dit, maman, excuse-moi, bonjour. I told her, mommy. Elle dit, bonjour, mon fils. Morning, excuse me. She said, good morning, my son. J'ai dit, maman, s'il vous plaît, il y a un pasteur qui prie dans la maison là. Est-ce que je peux avoir son numéro? I said, mommy, please, there is a pastor that prays in that house here. Can I have his contact? La maman m'a dit, il y a un problème. J'ai dit non. She asked me, do you have a trouble? Tu connais le pasteur? J'ai dit non. Do you know the pastor? No. Mais j'ai besoin le numéro d'un pasteur. But I need the number of a pastor. C'est par là qu'elle m'a prêché l'évangile. This is how she preached the gospel. Bonsoir d'acclamation à Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. L'évangile. The gospel. Et toute puissance de Dieu. Is the power of God. Pour le salut de quiconque croit. For the salvation of anyone who believes. Elle m'a dit que ça tombe bien, on a un programme à CMCI. Ça se passe en direct, tu peux aller sur YouTube. En tout cas, la maman a tout fait pour me convaincre. And she told me that it's very good because we have a program, we can follow it on YouTube. She managed to convince me. Mais tout ce qu'elle a parlé, moi c'est pas la maman que je regardais, c'est le pasteur même que je voulais son numéro. So while she was speaking, I did not want her. I wanted to get in touch with the pastor himself. Comme je n'ai pas eu le numéro du pasteur, elle dit allons à Tikwa rentrer. Il dit bon maman merci beaucoup, j'ai un rendez-vous. As I didn't have the number of the pastor, she said okay let us go in a Tikwa. I said mom thank you very much, I have an appointment. Et le samedi là, je suis parti croiser maintenant le marabout. And that Saturday I went to meet the witch doctor. La maman m'a pris beaucoup de temps parce que le rendez-vous chez l'autre côté là-bas c'était 10 heures, mais elle me parlait seulement. She took me a lot of time and she kept speaking.
Because the appointment there was at 10. Quand je suis arrivé aux deux plateaux, when I got there in the place called Deux Plateaux, le monsieur était parti à Yopougon enterrer fétiche dans maquis d'une dame là-bas. That man had gone into another quarter called Yopougon in order to bury a fetish in the house in a pub there. Donc je l'ai appelé, il m'a dit, je suis en train de faire le travail de la dame, il faut rester là, il faut tourner dans les rayons à 12h00, je vais venir faire ton travail. I then called him and he said that I'm in that place doing the work of a woman, but at 12 sharp, I'll be there and do your work. Je suis allé dans un maquis. I went into a pub. Il y a plus de 2,66. And I took some beer. 14h. Two bottles of beer. Le monsieur vient pas. 2 p.m. The man doesn't come. J'ai pris une bouteille de vin. I took a bottle of wine. J'ai bu un peu jusqu'à 15h. And I drank. Le monsieur ne venait pas. Little by little up to. J'ai pris encore une bouteille de. 3 p.m. I took another bottle. J'ai pris encore un vin. I took another wine. J'étais fatigué. I was tired. Je l'ai appelé. I called him vers 18h. Around 6 p.m. Il dit qu'il est dans le taxi. He told me that he's in a. J'ai pris encore un troisième vin. I took another wine, bottle of wine. 21. Je ne vois pas le monsieur. 8 p.m. I don't see him. J'ai bu. Je suis fatigué. I drank and I was tired. Je suis resté jusqu'à 23h au deux plateaux. I remained in that place up to 11 p.m. Le marabout ne venait pas. He was not coming. Il m'a dit. He told me. Demain très tôt. Tomorrow morning, early in the morning, il faut venir. Come. Il lui a dit que. I told him that. Je ne peux plus venir. Peut-être que c'est toi, tu vas venir me trouver chez moi. I cannot come anymore. Maybe you are the one who will come and meet me at home. Jesus is at work. Jésus Christ était à l'œuvre. Jesus Christ was at work. Offrant d'acclamation à Jésus Christ. Clap for Jesus Christ. Jésus Christ. Jesus Christ. Donc le lendemain matin. The next day in the morning, je me suis lavé. I washed myself. Je suis venu chez Maman Gorel. I came to Mam Borel. Quand je suis arrivé, when I got there, des personnes même que j'ai croisées, excusez-moi, que j'ai croisées chez Maman Gorel, franchement dit, j'étais découragé. Even the people I met there at Mam Borel's house, I was really discouraged, frankly speaking. Église de 3 personnes, 4 personnes, pourquoi? I said, a church of 4 free people. Why? Jesus Christ. Jesus Christ. Offrant d'acclamation à Jesus Christ. For Jesus Christ. Jesus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Jesus Christ. Non. Jesus Christ. On est resté là. So we remain there. La maman m'a dit pour regarder sur notre site. Tu vas voir, ça se passe en direct. The mom told me that. Watch on our side, you will see, because it is live. J'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai fait le culte avec eux, mais il y avait quelque chose à moi qui me fatiguait. C'est que je voulais croiser leur pasteur, je l'ai vu sur Facebook. So, it is true that I had the church service with them, but I really wanted to see the pastor because I saw him on Facebook. Donc, j'ai dit, bon, je vais partir. I said, ok, I will go. Il faut que le pasteur là aussi prie pour moi, peut-être qu'il peut faire quelque chose. The pastor must pray for me, maybe he can do something. Donc le dimanche, quand on a fini le culte chez Maman Gorel, elle m'a dit, allons à Tchikwa. J'ai dit, je suis prêt, allons. So on Sunday, when you finish the church service, c'était ma première fois de venir ici. At Mam Gorel, she said, let's go in at Tchikwa. I said, okay, Jesus let's Christ. Go. It was the first time I came here. Et lorsque nous sommes arrivés, and when we got here, en tout cas, ça s'est bien passé, mais ce que je voulais, je n'ai pas vu ça. Everything went on well, but I did not find what I wanted, what I desired. J'ai dit au frère Gauthier, le pasteur Gauthier. I talked about Pastor Gauthier. Votre pasteur là. Your pastor. De toute façon, il y a du monde là. Est-ce que je peux croiser le pasteur là un jour, lui et moi, comme ça, et puis on va discuter? As there are so many people here, I really want to meet the pastor like this so that we can speak together. Quand ils ont appelé les nouvelles personnes, j'étais pressé. When they called, je me suis positionné devant pour que le pasteur puisse me voir. When they called invitees, I came Jesus in haste Jesus and Christ. I went in the front for the pastor to see me. Et on a fini de remplir les fiches des nouvelles personnes. We finished filling. On dit, il y a des chaises derrière, asseyez-vous. We finished filling la the dernière form. Chaise. Moi, j'étais assis à la dernière chaise. Oh, au départ ici, j'étais devant. J'étais découragé encore. We finished filling in the forms and they told us we should sit in the back. There are chairs. Et I was at the last chair. And I was really discouraged because I had wanted to be in the front.
Quand le pasteur prie ici, il ne vient pas aussi à mon niveau par derrière là-bas. When il est pastor, toujours devant ici. When the pastor prays, he does not come to my level. He's still, he's always in the front. J'étais découragé, tout m'énervait, mais I was discouraged and I was on my nerves. Dit, okay. I said okay. On a fini la prière. Finish the prayer. La colère a fait que j'ai commencé même à chauffer sur le terrain ici même. Because of anger, I started to. Quand to on partait, le pasteur dit, je ne me portais pas bien. When we were going back, I was not doing well. Je chauffais. I was having fever. Et arrivé à la maison, and when I got home, je vous dis que arrivé chez moi, when I got to my house, mon ventre a commencé à tourner. My, mon ventre a commencé à me faire mal. My stomach started hurting me. Je suis parti à la salle. I went to the toilet. Ce qui est sorti à moi, that which came out from me, était plus noir que le charbon. It was black, more blacker than charcoal. J'ai eu peur, je suis tombé. I was afraid and I fell. Je ne me suis pas lavé ce jour-là. That day I didn't wash myself. Et j'ai traîné un palu, maman essaie, un palu du lundi jusqu'à samedi. And I suffered from malaria from Monday to Saturday. Et quand je me couche durant ces six jours-là, je fais cauchemar de l'image d'Atiekwa, que Atiekwa m'a rendu malade. When I sleep during these 6 days, I have a nightmare. J'ai dit ça au pasteur Gauthier. The image of Atiekwa, and I say Atiekwa has made me sick. J'ai dit non. I said it to Atiekwa là-bas, il y a une maladie là. I said no, I got this sickness. Donc le dimanche même qui a suivi. So the Sunday that followed. On me dit allons Atiekwa, il dit je suis encore malade, il peut pas partir. They told me let's go in Atiekwa. I say I'm still sick, I cannot go there. Le troisième dimanche. On the third Sunday. Pasteur Gauthier était toujours derrière moi. Je ne peux pas respirer. Toutes les mamans de l'église. Toutes les mamans de l'église. Was still running after me, all the moms in the church. Maman Victoire, elle a préparé, elle m'a envoyé tout ça pour que je vienne à l'église. Gave me all this for me to come to the church. Donc, j'ai déjà mangé leur nourriture. So I've already eaten the food. What am I going to do? Jesus of Nazareth. Donc, le dimanche je suis passé. And, on est venu. Two Sundays back. Nous étions derrière là-bas. We were there in the back. J'ai aimé le groupe musical quand ils ont chanté. Mais arrivé un moment où les gens faisaient témoignage. I saw the songwriters when they sang. And at the moment of the testimonies. Il y a une forte colère qui m'animait. Un coup comme ça. A very big anger was in me. Quelque chose me dit à moi que on t'a dit la dernière fois, faut pas venir ici. Something was telling me that the other day we et told rapidement you, mon corps a commencé à chauffer encore. We told you not to come here, and quickly I started to have fever again. J'ai dit bon, je vais trouver occasion pour partir à la maison en même temps. So I said I will find an opportunity to go back home. I shall not waste time. J'ai dit au pasteur Gauthier que je vais boire café. I told Pastor Gauthier I want to drink some coffee. Il m'a accompagné pour aller payer café. He went with me to buy coffee. Pasteur Brice arrêtait à côté de moi pour boire café en partie s'asseoir. Pastor Brice, le pasteur va prier tout à l'heure. Pastor Brice stood next to me. He said, "Drink your coffee and then we'll go back to sit because the pastor is going to start the prayer in a while." Il a dit pasteur, pastor, go sit down. Café là, je vais pas boire ici. Je vais boire à l'autre côté là-bas. I will not drink the coffee here. I'll drink it in the other side. Je suis allé sur le chantier derrière la route là-bas. I went on the building side behind the road there. Il n'y a pas de bacca, il n'y a pas de tour rapidement pour partir. Mon corps chauffe. L'esprit me dit qu'il faut quitter ici. Ta place n'est pas ici. Faut partir. I could not find a van to go quickly. And something was telling me that you should move from this place. Il y a un taxi, il est trouvé. I found a taxi. Mon sac est resté, mon portefeuille, l'argent, tout est resté ici. My à côté bag and my purse, all this remained here. Jesus. On my seat. Jesus Christ. Le taxi, je l'ai libéré, il est parti. I released the taxi and it went. Je suis arrivé. I came back. Je suis assis. Tout ce qui se passe ici, tout a commencé à m'énerver. I was sitting and everything was getting me on my nerves. Quand papa a commencé, when daddy started, à prier pour des cas, to pray for cases, quand il a parlé l'esprit des eaux, adoration, when he mentioned the spirit of the worship of des waters, des personnes qui ont mangé poison, people who ate some poison. Quelque chose a déclenché dans ma tête. Something was triggered in my mind. Quand le pasteur est là, il parle. C'est comme c'est une bombe au met dans ma tête, l'autre côté là-bas. When the pastor is speaking, it's just like a bomb under the canopy there where I was sitting. Fermé mes yeux, il était concentré. I closed my eyes and I was concentrated. Quand le pasteur parle ici, j'attrape
les deux oreilles. When the pastor speaks, I hold my two ears. C'était une bombe. It was like a bomb. Et arrivé au moment, and at a certain time, le Seigneur m'a fait voir quatre personnes. The Lord made me see four people. Je n'étais plus à moi-même. I was no longer in myself. Et les quatre personnes, trois femmes. And the four people, three ladies. Un homme. And a man. Lorsqu'ils sont arrivés, when they came, dit, tu vois, they say, they told me, you see, tu es en train de chauffer, on t'a dit. You are having fever. On est venu te chercher, lève-toi, on va partir. We came to fetch you. Stand up, let's go. Lève-toi, on va partir. Stand up, we go. Comme je tardais, il ne voulait pas partir. As I was wasting time and I didn't want to go. Le monsieur, quand ils sont venus, ils étaient comme nous. When they came, they were like us. Et le monsieur a commencé à pousser les cornes un coup. And suddenly the man started having some horns. Il y avait une très belle femme parmi les trois là. Among the three, there was a very beautiful lady. Donc, c'est avec elle que je discutais beaucoup. So I was speaking a lot with her. Et elle aussi, and she also, elle a commencé à se transformer. Tout en bas est devenu poisson un coup. She started to be transformed, and at the bottom she became like a monsieur fish. A dit, comme il veut pas partir, il faut qu'on le tue ici maintenant. And the man said that as he doesn't want to go, we should kill him here on the spot right now. Dans ce moment où on discutait, quand il a dit, by the time on we were arguing, ici maintenant, when he said, let us kill him here now, il a vu quelque chose qu'il n'a jamais vu de ma vie. I saw something that I had never before. Jesus, Jesus Christ. Écoutons. Listen. Il y a une forte lumière qui est descendue sous les bâches là-bas. Une forte lumière. Que tu ne peux même pas regarder 2 à 3 minutes. Light. Shone there under the canopy. I could not even stare at it. At et cette lumière a commencé à consumer les quatre personnes. And that light started consuming the four people. L'homme voulait fuir et il a cogné des poteaux. Il est tombé là-bas. The man wanted to flee and he bumped against. Et je vois que il s'est transformé en corbeau. And after he was transformed into a crow. Il s'envolait mais il y avait le feu dans ses ailes. And he was flying, but there was fire in his wings. Et la dame aussi, elle est rentrée dans l'eau. And the woman went inside the water. En pleurant. While crying. Mais il y avait le feu sur elle dans l'eau. But there was fire on her inside the water. Jesus Christ. Les deux autres se sont transformés en hibou. The two others were transformed into owls. Mais il y avait aussi le feu sur ces deux femmes-là aussi, ces deux hiboux-là aussi. And there were also fire on those two owls. Donc, quand je puis, du moment que j'ai pris conscience, when I came to myself, j'étais dans la main des commandos. I was in là-bas. The hands of the ushers there. J'étais dans la main des commandos là-bas, ils I ont was prié. In the hands of the ushers there. And they prayed for me. Et après la prière, and after the prayer, je vous jure que I swear that c'est moi qui suis le plus heureux ici actuellement. Here, right now, Jesus. I am Jesus the most, I mean the happiest person here, right now. Le pasteur James. Pastor James. Il m'a pris par derrière là-bas, me donner conseil. Il m'a dit, tu vas jeûner 3 jours. Tu vas faire ta repentance. He took me there in the back and he said that you are going dit, to okay, do your repentance comment? And fast for 3 days. Il m'a tout expliqué. He explained everything to me. J'ai accepté. I accepted. De faire les 3 jours de jeûne. To do the 3 days fasting. Dans le taxi quand on partait à la maison. In a taxi when we're going back home. J'ai dit à Gauthier. I talked to Pastor Gauthier. Pastor Gauthier. Moi, je viens à peine de sortir d'une crise de maladie. On me dit de faire 3 jours de jeûne. Pourquoi? I've just finished. I mean, getting out of a sickness and I'm going to fast for 3 days. How? Pasteur Gauthier, il ne me calculait même pas. And Pastor Gauthier was not considering what I was saying. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. OK, I said, OK. On est rentré. We went back. Mais la joie qui est en moi, but the joy that is in me, je n'ai jamais connu cette joie aussi. I had never before experienced Jesus. That joy. Jesus Christ. Jesus Christ. J'ai dit, bon, comme c'est affaire de Dieu. I said, OK, as it's a matter of moi-même, God. Moi-même, dans ma situation, j'ai demandé à Dieu de me tuer. Il ne m'a pas tué. I myself in my situation quand and asked God to kill me. J'ai dit à Dieu, tue-moi. Il m'a pas tué. Donc ça me dit de jeûner. Je vais jeûner pour voir. It was not well with me. I told God to kill me. He didn't kill me. So if they tell me to fast, then I will do it. J'ai commencé les 3 jours de jeûne. J'ai commencé le premier jour. I started the 3 days fasting. Les pasteurs, en tout cas, ils étaient auprès de moi. Ils me donnaient soutien. Were around me, sustaining me, supporting me.
Pendant les trois jours de jeûne, j'ai commencé lundi, mardi et j'ai terminé mercredi. Pendant les trois jours de jeûne. All along the 3 days fasting, from Monday up to Wednesday. Le désir de femme était trop en moi. The desire of women was too quand much. Quand je vois une femme, même dans la rue, pendant ces trois moments de jeûne. When I see a woman, que tu sois vieille, enfant, je te vois comme une jeune fille. When I see the women in the street, whether you are old or young lady, I see you like a young lady. Et avant-hier mercredi, and the other days on Wednesday, je suis venu, le pasteur a fait ma repentance. I came, the pastor led me to repentance. Il m'a demandé, est-ce que tu veux te baptiser, tu veux devenir réellement enfant de Dieu, tu peux prendre une décision. He asked me if I want to be baptized. Il lui a dit que depuis dimanche passé, il y avait déjà pris ma décision. Je n'ai pas le choix. Jésus Christ. Since last Sunday, I took my decision. I don't have any choice. J'ai été baptisé. I have been baptized. Et lorsqu'on m'a baptisé, baptized, le mercredi, quand on partait à la maison, on Wednesday when we were on our way back home, mon portable est rempli actuellement des appels de vidéos. My mobile phone is full of video calls. Gloire à Dieu! Praise the Lord! Nous rendons grâce au Seigneur. We give thanks to the Lord. Le Seigneur Jésus-Christ a réellement et authentiquement délivré notre frère. The Lord Jesus genuinely and really delivered our brother. Acclamons le Seigneur. Let us clap for the Lord. Jésus-Christ. Jesus Christ. Après sa repentance et le baptême, after his repentance and his baptism, il y a des phénomènes, there are phenomena, que notre frère n'a jamais connu, that our brother had never before experienced, concernant le sexe opposé, concerning the opposite sex. Le lendemain après sa repentance, the next day after his repentance, les femmes avec qui il avait des rapports sexuels dans le passé, the women or the ladies with whom he had sexual relations in the past, comme si quelqu'un les stimulait, allez-y le récupérer. As somebody was tearing them up, they said, go and take him back. Plusieurs parmi elles travaillent. Many in the, among them work. Elle l'appelle, j'abandonne mon travail, je viens pour avoir des rapports sexuels avec toi. They call him, I abandon my work, I'm coming to have sexual relations with you. D'autres se filment nus. Prends une vidéo nue d'elle. Others take a video film naked. Elle lui envoie ça. Of themselves and they send those videos to him. Il supprime, il note, envoie. He clear it off in another sense. Le frère a commencé à être troublé. The brother started to be troubled. Il m'a appelé. He called me. J'ai dit frère. I told him brother. Le diable est en train de faire une tentative de récupération. The devil is trying to do an attempt to take you back. Ça c'est l'esprit de séduction, le démon de la jeune fille là, la jeune femme claire, belle que Dieu a renversée là. C'est son esprit qui est en train de se manifester. I told him it is the spirit of seduction, that young lady, fair complexion that the Lord overthrown. À ce niveau de la bataille. At the level of that battle. Faut plus être sentimental. No longer be sensitive. Menace ces filles-là. And threaten those ladies. Sois dur. Be hard. Ne juge pas si je parle, elles vont. Non. Traite-les comme on traite le diable. Do not say that if I speak, they will treat them as treat the devil. Clap. Jesus Christ. Jesus Christ. Amen. Quand le pasteur m'a donné conseil, when the pastor gave me this advice, il y a une qui m'a dit que non, je viens chez toi. One of them told me I'm coming il to dit, you. Je suis déjà parti au travail. And I said I'm already at work. Et l'autre, and the other, je lui ai envoyé comment on appelle les photos de baptême. I sent her Jesus Christ. The pictures Christ. Of my baptism. Quand j'ai envoyé photos de baptême là hier soir. When I sent that picture yesterday evening, elle dit, tu es vraiment baptisé, hein? She told me you are really baptized. Et l'autre, and the matin, other, ce matin là, this morning, elle dit, si on t'appelle, est-ce que tu pourras décrocher encore? So if we call you, are you going to pick it again? Il y a une qui doit faire aussi son anniversaire. Another one is going to celebrate her. Ce matin quand je venais, birthday, elle dit non, elle a son anniversaire, de tout faire pour être là. This morning when I was coming, she told me that je she had. Non, que je suis plus dans anniversaire dans ma vie. Il m'avait à l'église.
Jésus Christ. Offrande d'acclamation à Jésus Christ. Le roi des rois. Le sauveur éternel, Jésus de Nazareth. Elle me dit, tell me, mais cette nuit-là, this night, qui va travailler sur moi? Who is going to work on me? Je dis, c'est Jésus. I said, it is Jesus. Jésus Christ. Et tout que je l'ai insulté, je lui ai parlé mal. She found out that I insulted her. Vraiment, je bénis le Seigneur. Really, Jesus I bless the name of the Lord. Je suis devenu chrétien comme vous. I have become a Christian like you. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Sur la terre d'Atsekwa. On the earth of Atsekwa. Alléluia! Praise the Lord. Et si c'était avant, if it was in the past, comme ça se faisait dans le temps passé. As it was done in time past. Ça veut dire que cette même nuit là. That it means that same il night. Il aurait eu au moins les rapports sexuels avec au moins 5 filles. He would have had sexual relation with about 5 girls. Mais il est délivré. But he's delivered. Jesus. Il a vaincu le diable. Jesus. He has overcome the devil. Il est authentiquement un frère. He's genuinely a brother. Que le nom du Seigneur soit béni. May the name of the Lord be blessed. Le pasteur Louis demande qu'on précise que chez la Sainte Gourenne, c'est une assemblée de maisons. Pastor Louis wants us to tell you that at the house of Sister Gourenne is a house church. Adore Jésus un peu avant qu'on ne continue. Ça ne peut pas finir comme let ça. Let us worship Jesus a while before continuing. Dis quelque chose à Jésus. Tell something to Jesus. Amen. 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 Lisons dans les Saintes Écritures, dans l'Évangile de Saint Jean. Read in the Holy Scriptures, in the Gospel of John. Chapitre 3. Chapter 3. Verset 16 à 20. Verse 16 to 20. Jean. John. Chapitre 3. Chapter 3. Verset 16 à 20. Verse 16 to 20. Ça, c'est un message spécial pour les invités. This is a special message for the guest. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas donné son Fils dans le monde. Pardon, je reprends. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Amen. John chapter 3, reading from verse 16 to verse 20. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. This is the verdict. Light has come into the world,
But men love darkness instead of light, because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed. Amen. Cette parole, this word, parle de l'amour de Dieu pour chacun de nous. About God's love for each of us. Même pour ce frère qui vient de rendre témoignage. Even for the brother who have just given his testimony. Il était accablé par les problèmes. He was surrounded by troubles. Il cherchait la solution. He was seeking solutions. Il espérait que, en s'approchant des marabouts, he hoped that by going to the witch doctors, il trouverait une solution. He would find solution. Il a cherché les femmes. He sought women. Il a bu l'alcool. He drank alcohol. Mais les problèmes étaient là. But problems were still there. Misérable. Miserable. La parole dit que Dieu, the word says that God, aime le monde. Loves the world. Dieu connaît les problèmes du monde. God knows the problems of the world. Le monde ici, c'est toi et moi. The world here is you and I. Ce ne sont pas les arbres et les montagnes. There are not the mountains and the trees. La parole de Dieu dit, the word of God says, quand Dieu a regardé les problèmes des watch hommes, the problems of men, la solution qu'il a trouvée, the solution he found, pour résoudre mon problème et ton problème, to sort out my troubles and yours, c'est d'envoyer Jésus. Was to send Jesus. Jésus, Jesus, est la réponse de Dieu, is the reply of God, aux souffrances des hommes, to the sufferings of men. Dieu a tant aimé le monde. God so loved the world. Il a donné son fils unique. That he gave his only and one son. La réponse de Dieu. The reply of God. À ta souffrance. To your suffering. À tes maladies. To your diseases. Aux oppressions. To your oppressions. C'est Jésus de Nazareth. Is Jesus of Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Quand Dieu a écouté les cris des hommes. When God listened to the shouts of men. Et quand il a décidé de trouver une solution. And when he decided to find a solution. Il a dit à son fils, he told his son, va, go, va te donner, go and give yourself à la croix, at the cross, afin que ton sang, so that your blood purifie les hommes, purifies men, afin que ton nom, so that your name devienne pour eux, become for them un instrument de guerre, an instrument of war, afin que même le pauvre, so that even the poor, s'il est attaqué par les sorciers, if he is attacked by witches, ou par les sirènes des eaux, or by the mermaids, comme ce pauvre petit, as this poor boy, quatre esprits des eaux sont venus, four spirits of waters came, la lumière de Jésus les a dispersés. Light of Jesus cut them. Jésus n'a pas parlé même. Jesus is not talk. Il a brillé sous les bancs. Il a brillé. He just shone under the canopies. Le démon qui poussait les cordes ne voulait s'enfuir. Il a cogné un poteau. The demon which had horns just knocked on the mat and fell down. Clap for Jesus Christ. Ce n'est pas la fiction. Vous avez vu. It's not fiction. Le voilà qui parlait là. Look him speaking. Si tu veux, if you want, tu attends un peu à la fin, tu le salues. You can wait at the end and you greet him. Et tu diras aux gens que tu as touché quelqu'un. And you tell people qui a vu that la gloire de Dieu. You have touched someone who have seen the glory of God. Dieu a tant aimé le monde. God so loved the world. Il a donné son fils. That he gave his only son. Dieu connaît nos problèmes. God knows our troubles. Il a trouvé la solution. He has found the solution. C'est la mort de son he fils. Is the death of his son. La mort de son fils. The death of his son. C'est pour cette raison qu'on appelle la mort de Jésus la mort expiatoire. This is why the death of Jesus is called the astonishment death. La mort qui donne une solution pour toi. A death which gives a solution for you. Une mort qui est une rançon. A death which is a ransom. It's a cost. Jesus Christ. Mais qu'est-ce que la Bible dit? But what does the Bible say? Écoutez très bien. Listen carefully. Lis ensuite. Read again. Read the follow. Verset 17.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous savez, you know, avant Jésus, before Jesus, dans l'Ancien Testament, in the Old Covenant, tu commets un péché, you commit a sin, Dieu te tue en même temps. God kills you on the spot. Read the Bible. Dieu te frappe. God strikes you. Et la Bible dit ici, and the Bible is saying here, que Dieu a envoyé son Fils. God has sent his Son. Pas pour nous juger. Not to judge us. Mais pour nous sauver. But to save us. Dieu a dit à son Fils, God told his Son, ceux-là, these ones, si je continue à les frapper, if I keep on striking them, ils vont tous périr. They will all perish. Personne n'ira au ciel. No one will go to heaven. Va. Go. Verse le sang. Pour your blood. Afin que celui qui croit, so that the one will believe, ait la vie éternelle. Have eternal life. Comme ça, so that ceux qui veulent périr, those who want to perish, ils vont choisir la mort. They will just choose death. Mais ceux qui veulent le salut, but those who want salvation, ils auront la vie éternelle. They will go, they will have everlasting life. Lis encore cette. Read again this passage. Dieu en effet. God indeed. N'a pas envoyé son Fils dans le monde. N'a pas envoyé Jésus dans le monde. Did not send Jesus in the world. Pour qu'il juge le monde. Pour qu'il juge le monde. So that he judge the world. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu. God a envoyé son Fils Jésus. Sent his Son Jesus dans le monde. In the world. Pour que les hommes. So that men soient sauvés par lui. Should be saved through him. Soient sauvés par lui. Should be saved through him. Quand il était dans le monde, when he was in the world, il était toujours là où il y a les pécheurs. He was always where there were sinners. Les gens le critiquaient. People criticized him. Celui-ci dit qu'il est prophète. But this one says he's a prophet. Il marche avec les prostituées. But he's walking with prostitutes, and he eat with them. Il dit, je suis venu. And he says, of course, chercher ceux qui sont perdus. To seek those who were lost. Je suis venu chercher ceux qui sont I've perdus. Come to seek those who were lost. Je suis venu chercher ceux qui sont perdus. I've come to seek those who are lost. Et on lui a amené les malades. And they were sending sick people et to him. Guérissait. And he was healing them. Il les guérissait. He healed them. On a amené les gens possédés. The demon possessed people chassons were sent to him. He cast out on demons. On a amené les lépreux. Lepers. Il purifiait les lépreux. He purified them. Dans l'ancienne alliance, tu es lépreux, on te chasse. In the old covenant, if you are a leper, tu ne vis pas avec les hommes. You are driven out. You cannot live with people. Mais Jésus a purifié les lépreux. But Jesus purified lepers. Il a purifié les lépreux. He purified lepers. Dieu a tant aimé le monde. God so loved the world. Il a donné son Fils. And has given Son. Afin que celui qui croit so son Fils. That the one who believes in him. Ne périsse point. Doesn't perish. Mais qu'il ait la vie éternelle. But he has eternal life. Éternelle. He has eternal life. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans God le monde. God has not sent his Son in the world. Pour qu'il juge le monde. So that he judge the world. Mais il l'a envoyé. But he sent pour him. Pour que le monde soit sauvé so par lui. So that the world should be saved by him. Pour que le monde soit sauvé so par lui. So that the world should be saved by him. Écoutez. Listen. Lis la suite. Read what follows. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Qu'est-ce que cette parole veut dire? What does this word mean? Quand Jésus va revenir, when Jesus will come back, tu seras jugé. You'll be judged. Si tu dis à Jésus, tell Jesus, je voulais laisser le mensonge. I wanted to stop lies. Mais je n'ai pas pu. But I could not. Jésus va te dire. Jesus will tell you. Pourquoi tu ne m'as pas reçu? Why have you not received me? Je suis venu. I came. Afin que les gens soient délivrés du so mensonge. So that people should be delivered from lies. Donc tu étais où? Where were you? Quand les autres me recevaient. While people were receiving me. Et quand je les délivrais. And I was delivering them. Vous voyez ce jeune homme? You see this young boy. Il va dire un jour que Jésus, mon Seigneur arrive. He will tell people one day, Jesus, my Lord, is coming. Et toi, tu seras l'alcool partout dans les narines. And you will be the alcool everywhere in your nostrils and in your heart. And he will say, Lord, I did not know that. Et tu connais ce jeune homme? And he will ask you, do you know this young man? Je l'ai vu à Tekoa. He said, oh, I saw him in Tekoa. Il disait que tu l'avais délivré. He said that you delivered him. Jésus te dit, Jesus is telling you, tu as prononcé ton jugement. You have pronounced your judgment, your condemnation. Va dans le lac de feu. Go into the lake of fire.
Si tu as vu ce jeune homme, if you have seen this young dans ta génération, in your generation, qui dit qu'il est l'homme le plus heureux, who is saying that he is the most happy person? Est-ce que je l'ai déjà salué? Viens me saluer. No, I've not even greet him before. Je l'ai déjà come touché. And greet me. Have I touched him? Ouais, on me dit que je l'ai béni. Bon, c'est bon, I'm je told l'ai that I blessed him. Non, so donc, it's okay. Tu peux laisser. C'est un privilège. It's a privilege de toucher les gens que Jésus to a touché. People Jesus has touched. Ça enrichit l'histoire. It enriches the story. Jésus est venu. Jesus has come. Les gens sont sauvés à gauche, ils sont sauvés people à droite. Are saved on your et left, tu es là. On your right, and you are there. La Bible dit, the Bible tu, says, tu n'iras pas à l'enfer. You won't go to hell. Parce que tu étais pécheur. Because you are a sinner. Tu iras dans le lac de feu. You're going to the lake of fire. Parce que quand Jésus t'a appelé, because when Jesus called you, pour t'aider, to help you, tu as refusé. You refused. Il y en a qui sont déjà condamnés. There are some who are already condemned. Ils ont chassé les enfants de Dieu. They have cast out children of God. D'autres, on leur a donné les livres, ils ont déchiré. Some have been given books, they tear them off. Ils aiment. Si tu leur dis d'acheter les bougies, ils peuvent même dépenser même 25 000. But if you tell them to buy candles, they can even spend 25,000 francs and incense. Et les chapelets. And chaplets. Mais Jésus là. But Jesus. Chassé. Cast out. Il faut changer. Change. Si tu ne changes pas, if you don't change, tu vas périr. You will perish. Lis, écoutez. Listen. Et ce jugement, c'est que comment Dieu va juger les gens? How God is going to judge people? Écoutez bien. Listen well. La lumière étant venue dans le monde, Dieu va dire aux gens. God will tell people. Quand la lumière est venue, when light came. Les hommes ont préféré les ténèbres. Tu as choisi les you ténèbres. Have chosen darkness. Dieu va te dire, God will tell you, j'avais envoyé la lumière, I've sent light, mais tu as fui la lumière pour te cacher dans les ténèbres. To hide yourself in darkness. Et continuer ta vie de débauche, and keep on your debauchery, d'ivrognerie, your drunkenness, le commérage, and your gossip. Les gens fuient Jésus. People are fleeing Jesus. Parce qu'ils veulent vivre dans le péché. Because they want to live in the sin. Tu as fui Jésus. You have fled away from Jesus. Parce que tu veux vivre dans le péché. Because you want to live in your sins. Lis. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Les hommes. People, toi. You. Moi, je ne suis plus dedans. I am no more inside. J'étais dedans. Je suis sorti. I was inside, but I got out. Je suis sorti. I got out. Pour embrasser Jésus. To embrace Jesus. Mais toi. And you. Quand la lumière vient. When the light tu comes. Tu fuis. You et tu trompes les gens. And you deceive people. Moi, je suis musulman. Me, I'm Muslim. Moi, je suis catholique. Me, I'm Catholic. Est-ce que Dieu is God a dit aux catholiques commettez l'adultère? Has God taught Catholics commit adultery? Si j'étais le pape, if I was a pope, j'allais instituer la repentance radicale. I would institute radical repentance. Et l'Église catholique va rester vide. And the church would become empty. Mais comme je ne suis pas le pape. But as I'm not the Pope, là où je suis comme ce soir ici, where I'm here like tonight, j'ai dit la vérité. I'm telling you the truth. Oui, acclamez pour Jésus. Yes, clap for Jesus Christ. Tu fuis la lumière. You are fleeing the light. Si tu fuis la lumière, you are fleeing away of the light. Et tu veux vivre avec nous, and you want to live with us, nous-mêmes nous allons te chasser. We will cast you out ourselves. C'est écrit dans la Bible. It's written in the Bible. Que quelle part y a-t-il entre le fidèle which et le fidèle? Which part do we have with the unfaithful and the faithful one? Quelqu'un dit qu'il veut vivre dans la saleté. Someone says that he wants to live in dirtiness. Et toi, tu veux monter. And you want to go up. Demeurer dans la lumière. Remain into the light. C'est un divorce. It's a divorce. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand la lumière est venue, continue. When light came. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Leurs œuvres étaient mauvaises. But this was bad. Dieu connaît l'homme. God knows man. Il te connaît. He knows you. Là où tu es assis là. Where you are. Moi je ne te connais pas. I don't know you. Mais Dieu te connaît. But God knows you. Il sait. He knows que tu es ennemi de la lumière. That you are enemy of light. Quand tu entends qu'il y a prière quelque part, when you hear that there are prayers somewhere, tu es parmi les premiers. You are
among the first. Mais quand on te dit, but when you are taught, viens dans la lumière, come into the light, viens prier dans la lumière, come and pray into the light, tu fuis, you flee, tu entres sous le lit, you under, under, you go under your bed. Tu dis, j'ai mon église. You say my church. Tu n'as pas ton église. You have not tu veux church. Vivre dans le péché. You want to live in sin. Tu veux vivre dans le péché. You want to live in sin. Dieu te connaît. God knows mais you. Tu peux tromper les hommes. But you can deceive men. Mais tu ne peux pas tromper but Dieu. But you cannot deceive God. Tu veux vivre you dans l'alcool. You want to live in alcohol. Tu veux te masturber. You want to masturbate yourself. Tu as les collections de films pornographiques. You have a collection tu of ne, X tu, films. Tu ne veux pas t'en séparer. You don't want to separate yourself from them. Tu te masturbes. You masturbate yourself. Quand tu es même assis là. When you are sitting here, ta tête your head est au quartier. Is in your area. Qu'après, after, faut que je parte. Later, I must go. Si on te dit tu vas où? If I ask you where are you going? Non. He said no. Jésus veut te sauver. Jesus wants to save you. Lis. Read. Car quiconque fait le mal, c'est lui qui fait le mal. The one who does evil, hait la lumière. Il hait la lumière. Hates light. Tous les pécheurs sont les all ennemis de la lumière. Are the enemies les ennemis de la vérité. Of light, enemies of light. Les ennemis de la vérité. Enemy of truth. Si tu leur dis la vérité, if you tell them the truth, ils te fuient. They flee away from you. Ils s'en vont prier ailleurs. They go and pray somewhere else. Quand nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire, when we arrived in Côte d'Ivoire, nous étions encore à l'hôtel. We were still in hotel. Et une dame a lady a demandé que je prie pour elle. Asked me to pray for her. Nous avons prié pour elle. We prayed for her. Elle est partie chercher son ami. She went and see a friend. Son ami m'a dit, a friend told me, j'ai mes enfants en France. I have my children in France. Et je ne vis pas avec mon mari. And I'm not living with my husband. Je vis avec un autre monsieur. I live with another man. Nous ne sommes pas encore divorcés. We are not yet divorced. Et c'est le monsieur là qui me loue l'atelier. And he's the man who rents my shop for me. Je lui ai demandé, est-ce que ton mari a déjà fait une tentative de réconciliation? I ask her, has your husband tried to reconcile with yourself? Elle a with dit you? Oui. She said yes. Elle dit, elle a refusé. And she said she refused. Et elle me dit, il a même envoyé les gens plusieurs fois. She said he even sent people many times. Je lui ai dit, I told her, si tu me demandes, if you ask me, de prier pour toi, to pray for you, pour que tu te réconcilies avec ton mari, so that you may reconcile yourself with your et husband, que vous deux, and you both, puissiez chercher l'argent pour envoyer à vos enfants, will seek money to send your children. Là, je le ferai. Then I will do it. Elle était fâchée. She was angry. Je lui dis, mais tu vis dans l'adultère. I va chez ton mari. You were living in adultery. Go and seek. Go in your husband's house. Elle est sortie. Elle a regardé notre chambre. She watched. She looked at our bedroom. Elle m'a demandé, vous louez ici, non? And she asked me, are you renting this house? On venait d'acheter le matelas. We have just bought the mattress. On avait déposé ça par terre. And we put it on the earth, on the soil. On cherchait le lit. We were seeking a bed. Nous venions d'arriver. We had just come. Donc elle a regardé dans la chambre, elle a she vu notre matelas par terre. In the bedroom, she saw our mattress on the ground. Elle m'a demandé, vous louez ici? And she asked me, are you renting this? Je lui ai dit oui. I said yes. Écoutez ce qu'elle m'a dit. Listen to what she told me. Quand vous aurez faim, when you will be hungry, tu vas changer de langage. You will change your language. Quand vous aurez faim, when you will be hungry, tu vas changer de langage. You will change your language. Je lui ai dit, I told her, je préfère prier avec des gens qui sont nu-pieds sans chaussures. I prefer praying with people who have no shoes. Que de prier avec une bande d'adultères. That praying with a group of adulterers. Elle est partie. She left. Longtemps après. Long after, je l'ai vue à Cocody. I saw her in Cocody. Je croyais qu'elle avait oublié. I believe she had forgotten. Non, je me suis approché pour la saluer. I got close to greet her. Dès qu'elle m'a reconnu, as soon as she recognized me, elle a enlevé sa main. She removes her hands. Elle m'a maudit. And she cursed me. La lumière vient. Light comes. Les gens fuient la lumière. People flee away from it. La lumière ici. Here lies. C'était sa réconciliation avec son mari. Was a reconciliation with her husband. C'est ça qui est la lumière. This is what is light. Pendant ce temps,
During this time, elle a son église. She has a church. Où elle va tous les dimanches. Where she goes every Sunday. Jésus. Jesus. Est vraiment bon. He's really good. Jésus est très bon. Jesus is very good. Jésus change la vie. Jesus changes life. Jésus redonne l'assurance. Jesus gives back insurance, confidence. Ce petit allait mourir. This boy, this young boy would have died. On allait vendre son âme. And they would have sold his soul. Parce que l'adoration des eaux. Because the worshipping of waters. Faisait de lui un détenteur d'une certaine puissance. Made of him someone who had a certain power. C'est ce que les autres sorciers cherchaient. Même les femmes là sont des sorcières. This is what all the witches were seeking. Even the ladies was witches. Quand tu couches avec elle, elle prend toute ta puissance. When you sleep with her, they take all your power. Et tu commences à commander les esprits des eaux qui sont avec lui. And you start ruling on the spirit of waters who are on him. S'il avait rencontré le marabout. If he had met the witch doctor. Le marabout allait faire un travail qui fait de lui l'esclave de ces quatre démons. The witch doctor would have done a work who would make him the slave of those demons. Le diable ne peut pas chasser le diable. The devil cannot cast out the devil. C'est un trafic. It's a traffic. Tu as un mari de nuit. You have a spirit as man. Tu vas chez un marabout. You go to a witch doctor. Il va vous marier. He will marry you. Pour que le mari de nuit se calme un peu. So that the spirit as man just cool down et for toi, a while. Toi, tu penses qu'on t'a guéri. And you believe you have been healed. C'est en Jésus. It's to Jesus. On commande au mari de nuit de partir. It's in Jesus that we command the spirit as man to leave. Et il dit, je m'en vais. And they say, I'm leaving. Jésus est la solution de Dieu au problème de l'homme. Jesus is the solution of God to man's problems. Lis. Read. Quiconque fait le mal hait la lumière. Quiconque fait le mal hait la lumière. Whoever does evil hates light. Et ne vient point à la lumière. Il ne vient point à la lumière. And he does not come into the light. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Parce qu'il cache ses œuvres. Because he is hidden. He is hiding. His deeds. Si les sorciers, if a witch is, il ne montre, il ne dit à personne. If he is a witch, he will tell no one. Il peut même aller à l'église et balayer le sol avant tout le monde. He can even go to church and sweep the ground before everybody. Tu seras délivré. You'll be delivered. Si tu es décidé, if you are decided, de donner la vie à ce Jésus. To give your life to this Jesus. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. He said, I'm the way, the truth and life. Il dit la vérité. He's telling the truth. Parce que c'est lui que le Père a envoyé. Because the one the Father sent. Si tu montes au ciel. If you go up to heaven. Tu dis à Dieu. You tell God. Je veux le salut. I want salvation. Il va te dire de revenir. He will tell you to come back on earth. Que Jésus a laissé la lumière sur la terre. That Jesus has left light on earth. Va là-bas. Go there. Go over there. Tu as laissé Jésus. You have left Jesus. Jésus est le chemin. Jesus is the way. Il est la vérité. He is the truth. Il est la vie. He is the life. Si tu as besoin de lui. If you need him. Si tu as besoin de lui. If you need him. Dans la vérité. In truth. Et dans la lumière. And in light. Lève ta main comme ça. Put up your hand like this. Non, baissez d'abord les mains. Put it down first. J'ai dit ceux qui n'ont pas encore Jésus. As a voice who have not yet Jesus. Qui ont besoin de lui maintenant. And they need him right now. Put up your hand. Levez les mains. Put up your hand. Levez-vous et venez ici. Venez. Come. Venez. Come. Quand vous voulez acclamer pour la délivrance des âmes, acclamez vraiment. When you want to clap for the deliverance of souls, clap well.
Viens. Come. Viens. Come. Viens. Come. Jésus t'appelle. Jesus is calling you. Jésus t'appelle. Jesus is calling you. Jésus-Christ t'appelle. Jesus Christ is calling you. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Est-ce que tous ceux qui ont levé les mains ici sont déjà partis? As all those who put them, their hands up, already there. Vous avez écouté son témoignage. You listen to his testimony. Quitte, va. Demon was telling him, leave his place, go. It's not a place here. Dis au démon, c'est ma place. Tell the demon, it's my place. Je ne suis pas sorcier. I'm not a witch. Même si je suis sorcier. Even if I am a witch. J'abandonne ça maintenant. I stop it now. Acclamation. Clap. Lève-toi et viens, lève-toi et stand viens, lève-toi et viens. Stand up and come. Nous allons commencer la prière. We are going to serve a prayer. Cinq minutes, si quelqu'un veut venir, qu'il vienne maintenant. We have 5 minutes left. If someone wants to come, let him come now. Il ne faut pas qu'à cause de toi, on commence la prière avec un grand retard. Don't do so that because of you, we start the prayer with delay. Si tu dois venir, viens maintenant. If you want to come, come now. Si tu dois venir, viens maintenant. If you have to come, come now. Si tu dois venir, viens maintenant. If you have to come, come now. Si tu dois venir, viens maintenant. If you have to come, come now. Si tu dois venir, viens maintenant. If you have to come, come now. Acclamez plus fort que ça. Clap louder than this. Viens maintenant, viens maintenant. Come now. Acclamez. Clap. Viens maintenant, viens maintenant. Come, come now. Viens maintenant, viens maintenant. Come now. Viens maintenant. Come now. Viens. Come. Oui, acclamez plus fort. Yes, clap. Very loudly. Viens maintenant. Come now. Venez, venez, venez. Come, 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 come. Lève-toi et viens, lève-toi et stand viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Si le démon te dit, if a demon tell you, ne va pas, ne va pas. Don't go, don't go. Dis au démon, je m'en vais. Tell them I'm going. Jésus m'appelle. Jesus is calling me. Si le démon te dit, if a demon tell you, ne va pas. Don't go. Dis à Jésus. Tell them. Dis à Satan, Jésus m'appelle. Tell Satan, Jesus is calling si me. Si le démon te dit, if a demon tell you, allons, sors. Go out, let us go out. Dis au démon, va-t'en. Tell him, demon, go away. Jésus m'appelle. Jesus is calling me. Et lève-toi, tu viens. And you stand up and come. Lève-toi, tu viens. 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 Stand up and come. Si le démon te dit, if a demon tells you, ne va pas. Don't go. Dis,
Arrière de moi, Satan. Say, behind me, Satan. Jésus m'appelle, Jésus m'appelle. Jesus is calling me, Jesus is calling me. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Jésus a dit. Jesus has said. Je suis le chemin, la vérité et la vie. I am the way, the truth and life. Nul ne vient au Père que par moi. No one can reach the Father without me. Jésus t'appelle. Jesus is calling you. Lève-toi et viens. Stand up and come. 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 On va commencer la prière. We are going to start the prayer. Levez vos mains. Put up your hands. Est-ce qu'il y a un rétrograde qui doit venir? Do we have a backslider who wants quelqu'un to come? Quelqu'un qui était avec Christ. Someone who was with Christ. Qui est tombé dans le péché. And has fallen down. Qui veut revenir. And he wants to come back. Lève-toi, tu reviens. Stand up and come back. Lève-toi, tu reviens. Stand up and come back. Un frère. A brother. Qui est tombé. Who had fallen. Qui veut revenir. And wants to come back. Lève-toi promptement, tu reviens. Stand up quickly and you come. Dans le livre de Michée, il est écrit. In the book of Micah, it's written. Mon ennemi. My enemy. Ne te réjouis pas mon sujet. Do not rejoice about me. Ne te réjouis pas mon sujet. Do not rejoice about si me. Si je suis tombé. If I've fallen. Je vais me relever. I will stand back. Si je suis assis dans les ténèbres. If I'm sitting in the darkness. Mon Dieu va m'éclairer. My Lord will enlighten me. Then stand up. Et reviens. And come back. Lève-toi. Stand up. Et reviens. And come back. Lève-toi. Stand up. Lève-toi. Stand up. Et reviens. And come back. Lève-toi. Stand up. Lève-toi. Stand up. Et reviens. And come back. Et reviens. And come back. Oui, acclamé. Yes, clap. Clap for him. Lève-toi. Stand up. Et reviens. And come back. Mon ennemi, my enemy, ne te réjouis pas mon sujet. Do not rejoice about si me. Je suis tombé, if I've fallen je down, me relève. I'm standing up. Toi, tu crois que c'est fini? You believe that's finished. Dis à Satan, tu crois que tu m'as eu? Tell Satan, you think you got et puis, me. Lève-toi. And then stand up. Reviens. And come back. Oui. Yes. Acclame très fort. Clap loudly. Lève-toi. Stand up. Et reviens. And come back. Lève-toi. Stand up. Et reviens. And come back. Oui, viens. Yes, come. Ne crains pas. Fear not. Acclame très fort. Clap loudly. Lève-toi. Stand up. Et reviens. And come back. Lève-toi et reviens. Stand up and come back. Lève tes mains. Put up your hands. Levez les mains comme ça. Put up your hand like this. Si tu es un frère, lève la main. If you are a brother, put up your hand. Dis. Say. Nous arrachons des mains du diable. We snatch out of the hand of the devil. Tous les invités que le diable veut garder. All the guests the devil wants to keep. Et tous les rétrogrades. And all the backsliders. Dis, rétrograde, reviens. Say, backslider, come back. Dis, invité. Say, guest. Toi que le diable veut garder. You the devil wants to keep. Nous t'arrachons des mains du diable. We snatch you out of his hands. Nous t'arrachons des mains du diable. We snatch you out of his hands. Nous t'arrachons des mains du diable. We snatch you. Nous t'arrachons des mains du diable. Devil.
Nous t'arrachons de mains du diable. Nous t'arrachons de mains du diable. Snatch yourself from the hands of the devil. Amen. Amen. Lève-toi et viens. Stand up and come. Non, ceux qui sont touchés, qu'ils viennent. Those who are moved, let them come. Oui. Yes. Viens. Come. Qui autre? Who else? C'est un combat spirituel. It's a spiritual warfare. Le diable veut te garder. The devil wants to keep you. Il faut lui dire non. Tell him no. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. C'est une vraie bataille spirituelle. It's a true spiritual warfare. Si tu es un enfant de Dieu, lève la main. If you are a child of God, put up your hand. Dis. Say. Cher invité. Dear guest. Que le diable veut garder. The devil wants to keep. Nous t'arrachons des mains du diable. We snatch you out of your hands, devil. Nous brisons les chaînes. We break the chains. Nous cassons les liens. We break the ties. Nous te saisissons. We seize you. Et nous te sortons des ténèbres. And we take you out of nous darkness. Nous te sortons des ténèbres. Take you out of darkness. Nous te sortons des ténèbres. We take you out of darkness. Nous te transférons dans la lumière de Jésus. And we transfer you into the light of Jesus. Amen. Amen. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi, lève-toi, vite, vite. Stand up and come. Oui, viens, viens, viens. Vite. Levez-vous. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, le Père t'a envoyé pour que je croie et que je sois sauvé. Pour que je croie en toi et tu me donnes la vie éternelle. Me voici, me voici, me voici, me voici, Seigneur Jésus. Me voici devant ta face. Here I am before you. Tu connais tous mes péchés. You know all my sins. Pardonne-moi. Forgive me. Et lave-moi. And wash me. Purifie-moi. Purify me. Lave-moi. Wash me. Dans ton sang. In your blood. Purifie-moi. And purify me. Wash me. Dans ton sang. In your blood. Purifie-moi. And purify me. Oh Seigneur. Oh Lord. Lave-moi. Wash me. Lave-moi. Wash me. Et purifie-moi. And purify me. Lave-moi. Wash me. Lave-moi. Wash me. Dans ton sang. In your blood. Et purifie-moi. And purify me. Oh Jésus Christ. Oh Jesus Christ. Lave-moi. Wash me. Lave-moi. Wash me. Dans ton sang précieux. In your precious blood. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Dis Seigneur. Say Lord. Je suis chargé. Bloody. Fatigué. I'm tired. Les péchés. Et les blocages, and my blockages, les oppressions, oppressions sont sur moi. On me. J'ai besoin de délivrance. I need deliverance. J'ai besoin de guérison. I need healing. Guéris-moi. Heal me. Guéris-moi. Heal me. De la tête jusqu'à la plante de mes from pieds. From my head to my toes. Oh Seigneur. Oh Lord. Viens à mon secours. Come at my rescue. Viens à mon secours. Come at my rescue. Dis Seigneur Jésus. C'est Lord Jesus. J'accepte. I accept. Qu'on me sépare de la to malédiction. To be separated from the curse. La malédiction familiale. In my family. J'accepte. Qu'on me sépare de toute la sorcellerie, from all the la sorcellerie witchcraft, the witchcraft, qui règne dans nos familles. Which is my oh Jésus Christ, oh Lord Jesus, je veux être ton enfant. I want to become your je child. Veux marcher avec toi. I want to walk tous with les you. Jours de ma vie. Every day of my life. Tous les jours de ma vie. Every day of my life. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Regarde derrière, tu t'assois. Look at behind you and go and see. Merci,